Yo les petits potes, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc de ma nouvelle map edit, la Okram Speed Cup, voilà. Donc c'est une nouvelle sur ma chaîne, donc j'ai fait des impossibles, j'ai fait des normales, donc 3 normales, une impossible, et c'est ma Speed Cup, voilà. Donc je vais peut-être faire une autre Speed Cup, parce que franchement je kiffe le style, en vrai, et c'est incroyable. Donc là on a mis du rouge, je sais même pas comment on a fait, à mon avis c'est un bug, parce que quand on prend le téléphone et qu'on met sur le mur, ça redevient comme ça. Mais en vrai ça rajoute un style. Genre, je sais pas ce qu'il est en vrai. Donc, je vais tout simplement vous la montrer. Donc, il n'y aura pas de cash prize, mais si, grâce au pass de combat, j'ai 220 bucks sur ce compte-ci, je peux vous offrir une danse. Voilà. Donc, là, vous avez la zone. Donc, directement ici, dans le carré ici, avec le boost, vous avez une zone qui permet d'activer le chrono. Donc, là, le chrono est activé. Et vous pouvez le restart grâce à ça. Moi, je vous conseille directement d'y aller parce que je pense que des fois, il marche pas. Je sais pas pourquoi. Mais pour l'instant il marche tout le temps, mais quand même des doutes parce que ça restart juste, donc je sais pas si le chrono il se relance à chaque fois. Mais bon, passons à autre chose. Du coup, je vais vous montrer. Donc là c'est juste double hit avec la vitesse 2, avec un truc à révéler derrière. Voilà. Quand vous arrivez ici, vous pouvez peut-être sauter, ça gagne un peu de temps. Donc là je sais que ça sert à rien celui-ci parce qu'on revient avec un nouveau là, mais bon c'est pas grave. Donc là on a les triple hit. Donc là, il faut tout simplement casser. Donc soit vous faites comme ça de chaque côté, soit vous faites un tournant. Enfin, c'est au point de vue d'où vous tombez. Parce que le truc, il est juste ici. Voilà. Donc là, pour les CS, vous pouvez faire comme ça. Donc, comme ça, avec le boost, comme ça, vous perdez pas de temps. Voire peut-être les manettes aussi. Donc là, vous avez un boost de niveau 2. Donc pour faire les double hits. Il n'y en a pas beaucoup, je crois que celui-là c'était la fin, voilà. Donc là on a un boost de niveau 1, voilà. Pour tout simplement éditer les murs comme ça et reset les chapeaux, voilà. Puis là vous avez 9 sols, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Non, il y a 9 sols, je sais plus compter les gars. Je ne sais plus compter, donc attendez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ok. Il y en a bien 9 les gars. Je compte un peu trop vite, voilà. Donc soit vous passez comme ça les gars, soit je vous montre ici. Vous passez comme ça, voilà. Maintenant, comme ça, vous perdez un peu de temps. Regardez, là, avant, j'étais arrivé ici. Et là, je suis arrivé là. Du coup, là, vous perdez un peu de temps. Là, vous prenez tout simplement le pistolet. Vous voyez bien que là-bas, la porte, elle est fermée. Et tout simplement, pour ouvrir cette porte, il faut tirer sur la mugger. Et ça vous fait ouvrir la porte. Donc là, vitesse 2, je crois. Ouais, vitesse 2, en étant des murs. Donc, ça va encore, les gars, ça. Là, vous one-shotez. Enfin, soit vous one-shotez, soit vous faites en deux fois. Mais normalement c'est possible de le one shot. Attendez. Hop. Ok, hop. Et hop, voilà. Donc normalement c'est possible, regardez. Ok, ouais, non. Donc moi j'ai déjà one shot quelques fois, mais sinon. Normalement il est possible à one shot. Pour ceux qui veulent le one shot, évidemment. Donc là, faut faire comme ça. Donc vous arrivez ici. Donc là j'ai bien mis un peu de précision qu'il faut aller dans ce trou là. Edit comme ça. Edit comme ça. Comme ça. Comme ça. Voilà. Donc si par exemple vous loupez un, bah c'est pas qualifié. Donc là vous faites téléporter. Ici vous éditez plein de sol. Hop voilà. Moi je fais sur 7 ou sur 8. Là, je pense que je fais plus du 7, du 6 et du 7. Là vous avez la faille, vous rentrez dedans. Et là vous redescendez. Vous pouvez faire ça pour vous diminuer votre vitesse, comme ça vous avez plus facile. Comme ça vous la gardez. Donc là en présentation j'ai fait 7-17. Je vais vous mettre un run juste après de combien je fais. Voilà. Donc là on passait à mon run. Donc normalement je dois faire 8-7, voire 8-10, un truc dans le genre. Donc je vous le mets et à tout de suite les gars. Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck, cause I cash star. Brand nigga from the 9-1. Switch that over, I stay young, blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck, cause I cash star. Always listen to music, know that I can make it myself. Yeah, my life changed when I was 12. Now my whole family, it was me and my mama. Wanted to go back, but return it caused drama. Niggas always hating, but I know they talking cat. Believing in myself was my only way back. If it wasn't for a nigga, I wouldn't have my first track. Appreciate a homie even hella way back, that's fact. Young nigga from the 9-1. Switch that over, I stay young, blonde. I was at the West Coast, now I'm in the East Coast. All you wanna fuck, cause I cashed up. Young nigga from the 9-1.
when you dropping. They be hating ever since, but ain't no way to stop me. Hate being broke, so a nigga tryna get that. Don't ask me where your bitch at, cause I already hit that. I'm hopping out the big bands with some big bands. Shawty tryna blow me, not cause she a big fan. I be walking through a couple racks in my run size. See me blowing up, they like how that nigga did that. Bring a nigga from the 9-1. Switch that over, but I stay young. I was at a West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck, cause I cashed up. Brand nigga from the 9-1. Switch that over, I stay young, bro. I was at a West Coast, now I'm in the East Coast. Shawty wanna fuck, cause I cashed up. Donc, les gars, donc voilà, donc ça c'était mon run. Donc, vous avez bien vu que j'ai one shot le cône et que. Allez, que je fais vraiment la technique de CS, donc pour ceci. Voilà, donc je fais là comme ça vous perdez pas de temps, parce que sinon si vous faites comme ça, attendez, hop, si vous faites comme ça, vous cognez avec la vitesse, regardez, hop. Si je fais comme ça, vous cognez avec la vitesse, du coup vous pouvez pas passer. Donc faut bien faire comme ça, maintenant si vous n'arrivez pas, vous pouvez cogner. Ça va pas perdre de temps. Donc voilà les gars, donc c'était ma map edit. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'espère que vous aurez liké cette vidéo. Vous serez abonné et tout. Je fais des lives donc au matin. Tous les matins je fais des lives. Vous pouvez venir aussi l'après-midi. Je fais des 1v1 contre mes abos. Je fais des games en solo ou en duo avec des potes. Donc voilà, donc je joue tout le temps avec vous si vous voulez. Voilà. Et voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Et on se retrouve à la prochaine, bye.